Garcia à l'OL, c'est fini. C'est une phrase qui pourrait faire plaisir à pas mal de supporters, surtout lyonnais. Voilà, il y a des notifications qui font plaisir dans la vie. D'ailleurs, sur YouTube aussi, n'hésitez pas, vous en serez surtout pas déçus, je vous garantis. Déçus, bah, c'est de la situation à l'OL, qu'on en parle un petit peu, parce que là, c'est plus possible. Alors, je sais pas si c'est uniquement l'entraîneur ou complètement l'institution, mais il faut que ça change, il faut qu'il y ait un nouveau cycle. Donc je pense que Rudy, c'est pas une mauvaise personne, c'est une bonne personne, mais ça convient plus, le cycle est pas bon, il faut que ça change. Et donc j'ai décidé de prendre les choses en main dans le conseil d'administration et de remercier Rudy et de lui souhaiter le meilleur pour la suite. C'est une décision rapide et brutale, mais c'est obligé que ça change, parce que si ça continue comme ça, voilà ce qui va se passer cette saison. Salut à tous, voilà, vous avez compris, Alex Gonesi est l'homme de la situation.
Voilà, cette série, elle doit être partagée au maximum si vous êtes lyonnais pour le bien de notre santé mentale en ce moment. Cette série sera un petit peu notre réconfort. Voilà, vous pourrez vous défouler dans l'espace commentaire et dans les pouces bleus quand le club ne va pas bien, quand l'OL continue les contre-perfs, les exploits individuels, les pénaltys. Alex Gonesi qui prend la tête de l'OL. Son profil a bien plu. Français originaire de Décines a obtenu un contrat à l'OL. Son nom symbolique et son profil est conforme aux souhaits du club et pense qu'il incarnera au sein du groupe le charisme d'un leader mêlant discipline et psychologie afin de garantir de belles perspectives d'avenir pour le club et redorer une image d'un lion conquérant de titres et de statuts européens. Voilà, donc l'objectif est clair avec ma venue, c'est vraiment de réinstaurer du fond de jeu, clairement, dans cette équipe, redorer un peu le blason avec l'identité du club, voilà un petit peu les perspectives des années 2000, de retourner bien évidemment en LDC dès la saison suivante, développer nos pépites justement pour cette saison et celle à venir. Et puis bien sûr garder nos meilleurs joueurs, ne pas faire de l'achat-revente, un modèle un petit peu que copié à Monaco. Voilà, vraiment essayer de s'améliorer année après année. Au niveau de l'organisation, donc j'ai accepté de me déplacer en Angleterre pour participer à la compétition européenne internationale. Un stage qui sera composé de Fenerbahçe, Sassuolo, Hertha Berlin, Burnley, Torino, Brighton et Fulham. Voilà pour notre pool des équipes plutôt intéressantes avec des belles perspectives d'avenir, notamment pour cette équipe italienne de Sassuolo qui a l'air très intéressante. Pour l'organisation, donc, on va bien sûr faire ces stages de match pour pouvoir faire des thèmes de match, donner du temps de jeu aux jeunes, bien sûr, de l'institution. Et puis voilà, c'est vraiment pas pour les résultats, c'est vraiment pour essayer d'obtenir un fond de jeu. Au niveau de l'organisation, pour la mi-juillet, je ne prévois pas d'entraînement. Voilà, je vais faire reposer l'équipe. On va se préparer petit à petit et essayer de monter en intensité petit à petit, vraiment, pour qu'après on soit prêt en début de saison. Ça sert à rien de se cramer d'entrée, en sachant que les organismes sont déjà fatigués avec le contexte sanitaire et puis le Final 8 qui a plutôt fait des dégâts au niveau de la prépa. Donc, du coup, on repose les joueurs. Et après la première quinzaine de juillet et les trois matchs amicaux passés, on pourra réinstaurer des entraînements avec une intensité modérée où on augmentera bien sûr petit à petit jusqu'à être prêt pour début août et le championnat. On pourra travailler notamment la finition, la créativité. Et puis les coups de pied arrêtés, une dimension qui n'est plus assez travaillée au sein de l'OL, la finition aussi qui manquait, équipe qui n'était pas assez réaliste, et puis au niveau de la créativité, on veut du fond de jeu, on veut des appels, des espaces, on veut que ça bouge, que ça soit plaisant, dynamique. Bon, l'organisation, les objectifs, c'est bien, mais alors maintenant, comment ça s'est déroulé? Eh bien, tout d'abord, je dirais que la campagne britannique, elle a été concluante. En faisant beaucoup tourner, on a pu accorder du temps de jeu aux jeunes, on a travaillé et construit un fond de jeu, et ça a fini par payer. Allez, Memphis, pour Oussem Aouar. Allez, on va pouvoir travailler, voilà, le bon jeu en une touche, et la remise pour Oussem. Magnifique, voilà, ça commence à prendre forme. Petit à petit, on commence à trouver nos repères et nos automatismes. Les connexions entre joueurs se font, et Oussem à la conclusion. Malgré un contenu satisfaisant, l'OL finira par s'incliner en fin de rencontre face à une magnifique frappe de Berardi. Oh Berardi! Oh non! Le deuxième but pour Sassuolo! Et si les jeunes avaient brillé lors de la première rencontre, ça sera différent à Old Trafford ou face au Hertha Berlin bien regroupé. OL et Allemand ne trouveront très peu de solutions dans un match fermé où les défenses auront largement pris le pas sur les attaques.
L'OL finira par réagir rapidement grâce à son prodige Ryan Cherki, mais on va commettre une énorme erreur défensive et sur l'une de leurs seules opportunités, double erreur défensive à pays cash, et on se retrouve mené un quart d'heure avant la fin de cette rencontre. Mais l'OL a des ressources et sur le coup d'envoi, on va réussir de nouveau à réagir. Allez, oui, ce relais Almada, Aouar, qui va décaler, on a vu en profondeur, ce centre de Cherki. Oui, Memphis, on va pas le perdre cette rencontre, allez. Pas le perdre, et même, on pouvait même croire le gagner, quand Memphis lance Dembélé. Allez, oui, Memphis, pour Dembélé. Oh, dommage. Et même pire, puisque dans le temps additionnel, après réflexion de la VAR, l'arbitre accordera pour les Allemands un pénalty. Allez, le pénalty, Lopez, let's go. Et malgré l'exploit du portier franco-portugais, on n'évitera pas le drame en toute fin du temps additionnel. Attention, ce centre! Oh non, c'est cruel, c'est cruel. Et on va perdre cette rencontre certainement. Et oui, Jason Denayer ne peut qu'effleurer cette tête dans son propre camp, et l'OL n'évitera pas une deuxième défaite d'affilée. On termine ce stage européen du côté d'Anfield, où face à Fenerbahçe, plus aucun enjeu dans cette poule, puisqu'on est déjà éliminé. Et donc, c'est avec un OL décontracté qu'on va pouvoir justement continuer de travailler notre fond de jeu. Et ça va être plutôt intéressant, même si on va parfois pêcher dans le dernier geste. Et sur les rares actions turques, on va finalement s'incliner avec une défense un petit peu limite, où je me suis complètement jeté et où je dois encore m'améliorer dans ce secteur, où j'ai encore du mal à prendre en main dans ce FIFA en ultime. Mais bon, l'OL est plein de ressources et on va, grâce à un mouvement collectif bien mené, arriver à conclure. Allez, pourquoi pas le centre de Dubois ? Voilà ! Mais malheureusement, le scénario face à Berlin va se répéter. Oh, attention quand même à cette équipe, avec Frey la récupération ! Oh non ! C'est pas possible ! Oh, on est maudit dans cette campagne ! L'OL s'incline donc une troisième fois en trois rencontres, et malgré le bon contenu, les résultats ne sont pas encore là. Maintenant, la dimension que vous attendez tous, le mercato, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, nos objectifs, c'était de préserver nos meilleurs joueurs. Donc je pense notamment à Memphis, Oussem Aouar, Guimarães et Dembélé. Et avec un contexte sans Coupe d'Europe, il a fallu trouver des solutions. Alors déjà, je tiens à préciser que le mercato s'est fait avant la mise à jour. Donc dans l'effectif, j'avais pas les Paqueta, les Benrahmi, les Deschilio, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi, comme ça, ça montre que je suis arrivé avant tout ça. Et donc finalement, c'est moi qui ai fait mon mercato et je dépends pas d'un autre mercato qui s'est passé. Voilà. Et c'est un côté un peu plus réaliste aussi, puisqu'on n'aura pas deux mercato comme on a souvent dans les FIFA, où on a un premier mercato qui est déjà fait dans la vraie vie, puis ensuite nous-mêmes qu'on ajoute un deuxième mercato. Le milieu de terrain est plutôt satisfaisant, mais il va falloir privilégier surtout le secteur défensif, qui malgré notre bon début de saison, si le contenu au cœur du jeu a été globalement bon, notre jeunesse défensive a montré vraiment ses limites, et sur les rares situations adverses, on en a payé les frais. Donc tout d'abord, j'arrive à me débarrasser de Léo Dubois, que j'arrive à négocier 30,5 millions. J'associe cette vente sur le côté droit à Maxwell Cornet, où j'arrive à en tirer pas loin de 15 millions. En défense centrale, j'ai prêté Joachim Andersen, qui m'a plutôt remercié de cette initiative, 2 ans à Huesca. Et enfin, Marcelo,
à la Roma, où j'ai pu en tirer pas loin de 5 millions, qui m'a lui aussi remercié de cette initiative. Melvin Barr a un gros potentiel, on va pouvoir l'utiliser cette saison, mais ça sera pas notre titulaire. J'ajoute à cela le départ de JRA, qui ne convenait plus au projet, où j'ai pu en tirer 15,6 millions à mon chaîne Glabash. Ce qui nous fait un total pas loin de 65 millions de ventes, associé à un budget de 61 millions. Alors tout ça, ça nous fait un beau budget pour recruter, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Alors déjà, tout d'abord, on va essayer de respecter un petit peu le contexte économique et notre objectif pour le club, pour un côté un peu réaliste, ça sera d'avoir un bénéfice d'au moins 35 millions. Donc on va pas pouvoir se permettre de tout prendre au niveau du budget et va falloir recruter intelligemment. Et oui, puisque sans Coupe d'Europe cette saison et avec le déficit économique lié à la crise, il faut faire des concessions et le budget en a pris un coup. Alors maintenant, tout est posé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien tout d'abord, en latéraux, il faut suppléer Melvin Barr qui va jouer bien sûr cette saison, on va pouvoir le développer. Mais il nous faut un cadre titulaire et j'ai pensé à Skov. À 24 ans, originaire d'Offenheim, il a un profil plutôt intéressant avec de la technique et il est plutôt agile au niveau des coups de pied arrêtés, notamment des coups francs, ce qui peut faire un plus grand bien du côté de l'OL. Et je vais l'associer à Mestres, le Brésilien, où j'ai réussi à l'obtenir pour un peu plus de 25 millions. Alors la jeunesse c'est bien, mais pour encadrer tout ça, on a besoin de Jesus Navas, un vétéran qui va apporter toute son expérience. Et j'ai pu en tirer 15,5 millions du côté de Séville, où justement Séville profite de l'échange entre guillemets avec Léo Dubois, où on a pu avoir une plus-value de 15 millions dans cet échange. Et là, on a un solide défenseur droit expérimenté. J'ai pas pu résister à prendre la jeune pépite Almada à 9,5 millions en provenance de Vélez Sarsfield qui pourra aider à suppléer nos milieux de terrain. Et enfin tout ça, ça nous a permis de nous garder un certain budget pour notre plus grosse recrue de ce mercato, j'ai nommé Stengs. Ce jeune prodige de 21 ans en provenance de l'AZ Alkmaar, il incarne la connexion parfaite avec même Fils de Paille, tous les deux originaires de la même sélection des Pays-Bas et il est très prometteur et j'ai réussi à le négocier après plusieurs échecs à moins de 50 millions. Alors tout ça, ça nous fait un total de 108 millions 4 et donc il nous reste 17 millions en positif, ce qui garantit un bénéfice au club d'un peu plus de 40 millions. Et là, on est bon, on est dans nos objectifs, on a dépassé les 35 millions de bénéfices, le club est dans le vert. En même temps, on a pu se renforcer à tous les postes, créer une équipe cohérente, jeune, et en même temps apporter de l'expérience avec Jesus Navas. Et en même temps, on a réussi à préserver nos cadres. Et ça, c'était l'essentiel. J'ai pas cédé aux grandes offres, notamment de Leipzig pour 86 millions pour Memphis Depay, de Dembélé qui a été sollicité pour plus de 40 millions, ou également Oussem Aouar pour plus de 50 millions du côté de City. Et je pense qu'avec avec cette équipe, on peut se battre à la lutte pour le podium, voire même mieux. En même temps, on aura un groupe qui ne sera pas étoffé, on a moins de 23 joueurs, ce qui permettra de rapidement faire tourner, accorder beaucoup de temps aux jeunes joueurs et les faire progresser, comme la politique du club, notamment je pense au jeune Melvin Barr, je pense également à Ryan Cherki, ou encore Kadewere. Et il nous restera toujours nos 17 millions pour le mercato hivernal, où on pourra faire le point si on a besoin de dépenser. Maintenant que tout ça est posé, c'est bien beau, mais concrètement, comment ça s'est passé le début de saison ? La préparation s'est passée comme je l'imaginais, c'est-à-dire que on a intensifié les entraînements petit à petit, on est monté en intensité crescendo et ça n'a pas loupé. Puisque lors de la première journée contre Montpellier, on était bien prêt. Et ça, c'est de très bon augure en sachant que notre pépite Stengs n'était même pas encore recrutée.
des récupérations hautes, beaucoup de pression face à l'adversaire, une possession et une domination incontestables. Franchement, l'OL était là. Et sur les rares récupérations héroltaises, eh ben, nos nouvelles recrues défensives ont vraiment fait le taf. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on attend les résultats, le contenu c'est bien joli, mais quid de la finition? Eh ben, je vous laisse le voir. Allez, super, le relais entre Toko et Kambi, on va récupérer avec Awar. Oh oui, on a vu dans l'axe, avec cette frappe! Et le but, l'ouverture du score. Notre premier buteur, ça sera Bruno G pour cette saison 2020-2021. Séduisant et harceleur d'offensive, on n'était pas loin d'enchaîner les buts à l'image de cette position de hors-jeu ou encore de cette frappe de Toko Ekambi. Montpellier se créera une seule petite occasion dans cette rencontre et on termine cette première période avec encore du beau jeu et des belles constructions à l'image de cette action. À la mi-temps, l'OL a été conquérant, dominateur et a fait bonne impression. Et en seconde mi-temps, ça va recommencer dès la 54e minute où on va pouvoir s'illustrer une deuxième fois. Allez, Awar en retrait, Mendes, voilà le jeu en une touche, oh, c'est bien fait. Et Bruno G pour le doublé, magnifique, 2-0. Un grand contrôle sur le jeu, sur la possession. On domine notre équipe adverse et on va encore s'illustrer une nouvelle fois. Allez, Toko, le relais avec Guimarães, le double buteur, qui va relayer une nouvelle fois. On va pouvoir le trouver en profondeur et il va pouvoir remiser et être passeur pour Oussem, le 3-0. Guimarães obtiendra ainsi la standing ovation, remplacé par Cacré dans le dernier quart d'heure. Premier match au Groupama Stadium officiel et premier gros succès, plutôt convaincant, Alex Gonesi est bien parti. Et malgré les résultats des matchs amicaux, le jeune français rodanien gagne la confiance des supporters qui déclenchent le haou. L'OL part donc pour cette deuxième journée en terre lorientaise, leader grâce à son homme du match, Bruno Guimarães. Notre nouvelle pépite, Calvin Stegs, de 21 ans, qui va pouvoir montrer un très bel aperçu de ses qualités dans cette rencontre. Allez, Stengs, le petit ballon en profondeur pour Dembélé. Voilà l'ouverture du score, 1-0. La défense lyonnaise a l'air bien rodée, et d'autant plus que quand ça va au bout. Allez, Awar qui va lancer un bon petit ballon pour Memphis. Oh, Memphis, il a vu le départ de Moussa pour son doublé. Voilà, Moussa Dembélé, ses deux premiers buts en Ligue 1. Le jeu est plaisant et direct, et les efforts faits à l'entraînement vont encore une fois être décisifs, notamment en termes de créativité et de finition pour notre nouveau néerlandais. Oh oui, en profondeur pour Stengs. Et le troisième, magnifique, notre nouvelle recrue qui trouve déjà la finition dès sa première journée. Une leçon de réalisme impressionnante qui va même laisser un triplé. Allez, Stengs en profondeur, oh oui, en une touche pour Dembélé, magnifique. 4 puis 5 juste avant la mi-temps, quand le néerlandais offre sa deuxième passe décisive déjà du match. La seconde mi-temps sera un peu plus terne, malgré quelques belles situations et toujours un fond de jeu plaisant.
L'OL s'imposera 5-0 finalement en terre merlue et plus que jamais leader au classement avec 6 points en 2 journées. Et Dembélé, meilleur buteur avec 4 réalisations lors de sa première journée. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous connaissez un Lyonnais, partagez-lui cette vidéo pour lui remonter un peu le moral. Et abonnez-vous en activant la cloche des notifications pour ne pas rater la suite de la série et des autres vidéos. Sur ce, je vous retrouve très prochainement. Salut à tous.